This is Rancho. J'aime les tremplins du Jura. J'aime les tremplins jusqu'au Poincar. J'aime le tremplin de Courchevel. J'aime tous les tremplins qui me donnent des ailes. Mad about saffron. Saffron's ah. Mad about me. I'm just mad about my saffron. She just mad about me. Everybody say they call me Mellow Yellow. Yeah, they call me Mellow Yellow. Allez, Rancho. On a 3 jours pour devenir un sauteur, passer sur un 90 mètres. Tu vas devenir un oiseau. 3 phases. La position d'élan, l'impulsion, le vol. Baisse un peu tes fesses, serre un peu tes genoux. Allez, le cul en premier. Et tu balances en bas. Ah, c'est le cul qui monte. Ouais, c'est le cul qui tourne autour du genou. Allez, Rancho, position, impulsion, vol. Top, Rancho. Ça, demain, c'est la prochaine étape. Elliot, top. Prends un peu ton temps, reste bien sur l'appui, pousse qu'avec tes jambes. Bon, maintenant, dernier exercice, on va travailler le vol. Ok. Allez, la tête, ouais. Il y a un prolongement un petit peu moins haute. Tourne un petit peu tes épaules, on gagne bien les jambes. Allez, attention, top, on vole. On vole. C'est bien là? Ouais. Nickel. Je suis presque un oiseau là. Ah, t'es un oiseau là. Ouais. Ouais. Avant que tu passes sur les tremplins et que tu fasses du saut-ski, on va quand même parler de l'histoire du ski. Donc avant, on sautait les skis parallèles, les skis sous nous, c'était comme ça. Toi, tu les avais de côté, non? Moi, j'ai mis un peu de côté, ouais. Je sais pas pourquoi, je voulais voir un petit peu plus loin. Et il y a un autre garçon qui s'appelle Yann Bokleff. Bègue, petit, myope, il voyait rien, il a écarté les pieds et le saut-ski en V est né. Il a écarté les pieds, tout bêtement. Ça a marché. Non, je te promets. Et du coup, ça a révolutionné le saut-ski, 92. 95% des sauteurs étaient en V et après tout le monde y est passé parce que ça portait plus. Du coup le ski, ça, les premiers sauteurs, ça remonte à quand? Ouh là là, bah, le ski, c'est l'origine du ski, c'est le saut, hein, c'est les mecs peau de bête, ils ont commencé à mettre des skis aux pieds pour aller à la chasse. Et tu vois bien, hein, comme d'hab, hein, pour faire les malins et séduire la gonzesse, ils ont fait des petits kicks dans la forêt. Et donc après, ben, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 40 mètres. Et maintenant on est passé aux 120 mètres et puis l'histoire du ski est partie. Bon, mon petit Rancho, c'est pas le tout. Mais là, on va aller faire une petite fondue, parce que demain, tu sautes. Regarde. Le premier saut, il est super dur, parce que ben, on n'a pas l'habitude. Hein. On met ses skis dans ses rails, on est sur une petite planche au départ, là, et on n'a rien pour s'arrêter, faut y aller. Donc le gros truc, c'est lâcher la barre. Et après, je me dis, allez, là c'est parti, de toute façon tu peux plus reculer. J'ai aucun souci pour le 25, le 50. Et après, ce sera surtout pour toi, pour bien te sentir en l'air. Après, tu pousseras plus ou moins fort, mais au moins tu sois installé en l'air, que tu sentes qu'il y a de l'appui sous les skis, et que tu ne tombes pas comme une merde en l'air, quoi. Que tu voles vraiment. Bon bah ça y est, Rancho, on y est, hein. On est sur le 45 de Prémanon. On va se préparer, on y va. Hein. 3, 2, 1. Ouais. Voilà. Tiens Rancho, il faut du talent, il faut un peu de chance. C'est ma combine d'Albertville 92. Ouais. Ouais. T'as l'air si. Ça c'est cool. Bah, je sais pas quoi dire là du coup. Bah dis rien, saute. Oh, les fourchettes, ça sert. On est temps, hein. On est bien chaud. 3 choses. Lâcher de bas. Position. On pousse. Et là-bas, gentiment, on s'allonge. On tend ses jambes.
réception. On regarde loin devant, là-bas, loin devant. Ok. Non merci, sans façon, mais c'est gentil, Fab. Oh le cochon. Tiens, un peu de force, Fab. On va partir. Sans façon. À quitter le nid. Oh. Hey Fab, j'ai volé là. C'est presque ça, c'est pas encore du vol, mais ça y vient, ça vient. Pas grave. Bon petit rancho, on va bien travailler. J'ai une petite surprise pour toi ce soir. Cool, c'est quoi? Allez, ce soir, surprise, 4 fromages. Ouais. Au revoir, rancho. Oh non, tu vas voir, c'est un moment suspendu dans le temps. Tu voles, t'es un oiseau. Imagine, mentalise. Tu lâches la barre, tu laisses glisser, tu sens l'accélération, là t'arrives sur la table et paf! Et là tu vas te sentir comme un oiseau. Et bon, Rancho, pour plaquer maintenant, c'est demain le grand saut. This is Rancho. En 23 ans de tremplin, j'ai jamais vu un crétin pareil prendre les skis de saut et envoyer au 90. Chapeau. Got to get away.
Je pensais que t'allais jamais y aller, moi, à 90 mètres, toujours sur un ski, sans déconner.